Il faut qu'on présente des excuses. Il faut qu'on présente des excuses parce que le message a été mal rédigé. Voilà, l'esprit du message est bon. Le fond du message est bon. Soutenir les artistes chrétiens. Mais tel que ça a été fait par moi, c'est un peu comme si j'étais pas content même du concert du grand frère. Et c'est ça qui est un problème. C'est pour ça qu'on présente des excuses en vrai. Tu vois, parce qu'on est venu dire aider les artistes chrétiens. Hein? Non, hein? On présente les excuses juste parce que quand j'ai formulé le message, ça n'a pas donné l'effet attendu. Tu vois, ça a plus ressemblé à quelqu'un qui n'est pas content du succès d'un grand frère. Et c'est pour ça qu'on présente des excuses. C'est pour ça qu'on présente. Moi, même s'il y a quelqu'un qui avait fait un poste comme ça et puis il voyait un truc comme ça, il me dit, mais lui, il est jaloux. Il est jaloux. C'est pour ça qu'on présente des excuses. Sinon, voilà, on va toujours se battre pour le gospel, on va toujours se battre pour que les gens puissent respecter les artistes chrétiens. On va toujours se battre aussi pour, voilà, laisser un donner pardon. Voilà, tranquille, on continue. Voilà, la prochaine fois, si un truc comme ça à dénoncer, ou voilà, on va trouver la meilleure formule. Je prie que la prochaine fois, on trouve la meilleure formule. Mais cette fois-ci-là, un peu zaï. Qu'est-ce que demandez pardon, ça tu peux. On hein, demande pardon. Parce que même il y a longtemps, ils nous guettaient. Là, ils ont eu occasion. Là, ils ont eu occasion. Ouais. Pas facile, hein.